Je me sens légèrement stressée, mais c'est vraiment du bon stress. Et je vais essayer de donner tout ce que j'ai et on verra ce que ça donnera. Et du coup, les 350 spectateurs, ça te pose pas de problème ? C'est pas vraiment le spectateur qui pose problème, c'est plus l'idée du concours. On a vraiment envie de tout donner, donc il y a du stress et l'envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et tu penses pouvoir gagner ce concours ? Clairement, je sais pas si je pense pouvoir le gagner. Après, je pense qu'on a tous une carte à jouer. Et si on a été pris, c'est qu'on peut tous espérer gagner le concours. Comment est-ce que tu as vécu l'expérience du concours ? C'était plutôt excitant de faire ce concours. Parce que j'attendais vraiment de montrer mon potentiel à des gens. Et vous avez une astuce avant de monter sur scène pour évacuer le stress, le trac ? Oui, on en a une, on se tient dans les mains, on se regarde dans les yeux et on respire, on inspire et on expire 5 à 10 fois. Comment vous avez vécu l'expérience du concours ? Les jurys étaient très gentils, on a beaucoup travaillé sur nos chorés et tout s'est très bien passé. T'as un message à faire passer aux candidats ? C'est de croire en vous et de ne pas avoir peur du regard des autres et de faire ce qui vous plaît. Voilà. Et si tu gagnes la finale, tu sais que le gagnant repart avec un chèque de 350 €, qu'est-ce que tu comptes en faire ? Avec 350 €, je pense que je vais m'aider à me payer mes études, à me payer mon école de musique, tout ça. Est-ce que tu as une astuce pour te détendre et évacuer le trac avant de monter sur scène ? Alors un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut bien respirer, il faut penser à bien respirer. Et normalement après ça va, faut transformer le trac en énergie positive. Qu'est-ce que le concours t'a apporté ? En fait ça m'a apporté surtout pas mal de contacts. Parce que j'ai eu pas mal de personnes à la fin des numéros justement, enfin de mes numéros qui sont venus me voir à la fin. Et qui m'ont proposé quelques trucs, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et après, je pensais pas par exemple que le concours serait aussi élevé. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux pour ce concours, quoi. Donc justement, ça me permet aussi de travailler sur moi-même et d'être, de travailler d'être encore meilleur, on va dire.